Quelle paire de lunettes je vais mettre aujourd'hui? C'est la fête des paires. Celle-là, les gars. Ou alors. Ouais, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Je vois des meufs, elles veulent un mec droit pour lui faire à l'envers. Voilà, les gars. Ben oui, un mec droit, tu peux lui faire à l'envers. Mais un mec à l'envers. Mec qui est déjà à l'envers. Tu peux pas lui faire à l'envers, les gars. Il est déjà perché, le mec. Fait le poirier. Tu peux rien. Les amis, vous avez vu, le 9 juillet, les discothèques vont rouvrir, les gars. Bon, pour nous, elles restent fermées, les gars. Pour nous, confinement, déconfinement, c'est la même. Hein. Voilà. On rentre jamais en boîte. La vie de ma mère. Et les videurs de boîte de nuit, après avoir pointé à Pôle emploi, vous allez pointer des gens, là. Voilà, ça va vous faire du bien. Non, les gars, faut bien comprendre une chose. Rouverture des discothèques pour certains, pas pour tout le monde. Il y en a qui rentrent pas en boîte. Et c'est une vérité, les gars. Voilà. Ouais, mais je comprends pas de dire ça, l'égalité. Quelle égalité? Il n'y a pas d'égalité en discothèque, mon frère. Voilà, il n'y a pas d'égalité. Toi, tu arrives sapé pour 2000 euros, mon frère. Sapé pour 2000 euros et 2000 euros dans chaque poche. Tu te fais pointer. L'autre bâtard, il arrive, grosse chemise Célio, qui lui va en parachute, elle lui va 4 fois. Voilà. Jean complice. Chaussures, frère. Voilà, des chaussures. C'est Napoléon qui les a portées. Voilà, des Clarks. Voilà, il met des... Et lui, il rentre, par contre. Voilà. Le pire, t'arrives en discothèque. Vous êtes accompagné, monsieur? Mais si je serai accompagné, je serai à l'hôtel Campanile, en train de baiser, mon pote. Je serai pas dans ta boîte de merde, ta boîte de conserve. Toujours pareil, les discothèques, les gars. Pourquoi j'y vais plus? Bon, déjà parce que je rentre pas. Hein. C'est une bonne raison. Mais aussi pourquoi? Parce que j'ose pas trop danser. Tu vois, je suis pas trop un mec qui danse, moi. Mais il y a un moment où je me chauffe, où je me motive à danser. Le moment où je prends mon courage à deux mains, je prends mon zboub à deux mains aussi, je vais sur la piste et là, il y a une musique de merde. Comme par hasard, le seul moment où je vais danser, les gars, il y a une musique qui n'a pas de rythme, aucun tempo. C'est pas une musique de reggae où la meuf, elle se frotte toute seule. Non, non, nul! Oh là, il y a du Angel qui passe d'un coup. Oh là! Dès que c'est à mon tour, il y a Angel qui passe. Comment tu veux danser sur du Angel? C'est impossible, frère! Et voilà, ça y est, c'est fini, c'est... D'ailleurs, les gars, les Allemands... Est-ce que les Allemands, ils se sont remis de la défaite contre la France? Hey, Angela Merkel! Voilà, pas trop dégoûté? Angela, appelle-moi ce soir et je démarre ton équipe. Benzema. C'est la fin du couvre-feu. La fin du couvre-foufoune aussi. Les meufs qui avaient l'excuse du couvre-feu. Ouais, j'aimerais trop te voir, mais je peux pas, il y a le couvre-feu. Voilà, ouais. Promis qu'il n'y a plus le couvre-feu, on se voit. Là, il n'y a plus le couvre-feu, t'appelles la meuf et on se voit. Je peux pas. Demain, je peux pas. Après-demain, je peux pas. Tu peux jamais, bordel! Elle peut jamais, la meuf! Les meufs, il y a des meufs, elles veulent te voir que quand tu peux pas. Elles voient que tu prends l'avion, tu vas à l'étranger et on se voit. On se voit ce soir. Eh, mais je suis pas là. Oh putain, dégoûté, quoi. Le seul jour où j'avais pas mon petit neveu Brahim, ce petit bâtard-là. Oh là, les gars, fou la haine, ça. Les meufs là, les menteuses, avec leurs excuses de merde, ouais, je peux pas. En fait, il y a le baptême de mon neveu, ouais, mon petit neveu Rachid, Rachidou. Il a 40 ans, Rachidou. Voilà. Voilà, le petit Rachidou, il a 42 ans. Ouais, le petit baptême à mon neveu Rachidou. Voilà, je dois faire des petits ballons, je dois faire les gâteaux, je dois nettoyer la salle à manger, débarrasser la vaisselle et mettre un gâteau d'anniversaire à la fin. On se voit ce week-end? Ah, ce week-end, je peux pas. Il y a ma belle-sœur du Luxembourg qui vient en train. Je dois aller récupérer à la gare, déposer mes parents à l'aéroport, changer les couches. Je dois la laver, faire une machine à laver. Je dois faire des biscuits, je dois préparer les plats, je dois préparer la recette, faire les salades, faire le barbecue, nettoyer le barbecue, lui changer une pièce et le remettre. Oh, arrête de mentir un peu. Dis que je suis moche, ça va plus vite. Voilà. Oui, et aussi le soir. Et le soir? Non, le soir, je peux pas le soir. Non. Il y a ma belle-sœur, ils font leur lune de miel. Du coup, je dois garder leur enfant, le petit Rachidou. Il a 30 ans, Rachidou! Oh là, il a 30 ans, Rachidou, bordel! Menteuse, va! Oh là! Ce petit Rachidou, si je le chope, celui-là, si... C'est aussi la période, je pense qu'il y en a plein qui sont concernés, les gens qui vont refaire leur passeport. Alors, il y a un truc incroyable en France, les gars, pour les mecs qui refont leur passeport. Alors, un mec, il va refaire son passeport, il le refait pas tant qu'il n'a pas son billet de voyage en main. Oh là! C'est pas il refait son passeport et après il cherche un voyage. Non! D'abord le voyage! Fois qu'il est sûr qu'il bouge, ah ben là je fais le passeport. Voilà. En même temps, le mec il est là. Ouais, que penses-tu du fait qu'on peut plus sortir de la France sans passeport? Bah les couilles! J'ai pas 1 euro pour partir. Ouais, c'est ça les gars. Voilà. Il n'y a qu'en France, tu vois ça.
d'abord le billet de voyage et après on fait le passeport. C'est incroyable. Moi, ça me casse les couilles, tout ce qui est passeport, pièce d'identité. À chaque fois, je montre le passeport à quelqu'un. T'as la meuf, elle prend le passeport, elle regarde. Monsieur, c'est vous sur la photo? Oh, c'est incroyable. Le temps passe vite, hein? Ça vous ressemble pas du tout. C'était il y a longtemps, hein? C'était quand vous étiez petit. Non, non, c'est la semaine dernière, j'ai pris les photos, grosse. Amis, demain c'est le retour des Avengers, les gars. Les Avengers, on va se Vengers contre le Portugal, France-Portugal, c'est OM-PSG. C'est la même, les gars. Qui dit match exceptionnel dit pronostiqueur exceptionnel, les gars. Ça fait les gars. Il a déjà le gros, il est franc, il a pas fait nuit blanche contre un corps. C'est la vérité, les amis. C'est ce qui le dit que plaît. Allez voir, il est sûr que les frères, dans 5 secondes, elle va disparaître. Spartacum, Spartacum, abracadabra. T'es une merde. J'ai loupé un truc, les gars. T'es fait chier. Coupé. Amis, regardez ce tour de magie. Regardez la cuillère, elle va se tordre toute seule. Ah, ça marche pas. Désolé, pardon. De nos jours, c'est trop nul les tours de magie, les gars. Les tours de magie, c'est tous les mêmes. Voilà, le mec il arrive, choisit une carte. Voilà. Celle-là, non pas celle-là. Prends celle du milieu, celle qui dépasse, elle qui est un peu pliée sur le côté pour que je la reconnaisse. Voilà, prends celle-là. C'est bon, tu as choisi une carte. Dis dans ta tête, me la montre pas. Non, me la montre pas, je veux pas la voir la carte. Me la montre pas. Dis un chiffre entre 1 et 2. Voilà. C'est bon, tu l'as le chiffre? D'accord. Remets la carte dans le paquet. Non, mais c'est bon, je la remets dans le paquet. Il casse les couilles. Remets la carte dans le paquet. Voilà. Tu vois bien que je sais pas où elle est. Elle a ni. Pam, pam, pam. C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Incroyable comment. Oh, c'est bon, cassez-vous. Voilà, vous saoulez. Voilà, mais le pire, c'est les apprentis magiciens. Il y a toujours un mec. On a tous un mec autour de nous qui vient nous voir. Choisis une carte. Ouais. Oula, choisis une table. Elle me dit qu'elle est sortie avec 12 mecs dans sa vie. Sachant que chaque mec possède un pénis et que chaque pénis possède deux testicules. Donc ça fait 12 mecs fois deux testicules, ça fait 24 testicules. Si on part du principe où un testicule possède 3000 litres de sperme, donc la meuf, elle a englouti. Alors 12 fois deux testicules qui fait 24, 24 fois 2000 millilitres de sperme. Donc la meuf, elle a englouti 48 000 millilitres de sperme, d'après mes calculs. Cette meuf est une chouin. Elle me dit qu'elle a eu 5 petits copains dans sa vie. Si on part du principe où le diamètre moyen d'un pénis masculin est de 10 cm, donc le rayon de celui-ci est de 5 cm. Maintenant, si je compare le diamètre du vagin de la meuf qui est de 80 cm, donc 80 cm divisé par le diamètre moyen d'un pénis masculin, ça fait 80 par 10, ça fait 8. Donc elle n'a pas eu 5 petits copains, d'après le diamètre de son vagin. Elle a eu 8 petits copains. D'après mes calculs, cette meuf est une chouin.
Tu m'as tourné le dos, j'ai tourné la page. Trop de coups de couteau dans mon dos, tant pis, ça me fait des abdos. Arrête de remuer le couteau dans la plaie, parce que tu me plais, donc stop, s'il te plaît. Voilà. Faut qu'on se tienne la main, car dans le mot demain, il y a le mot main, et c'est en se tenant la main qu'on aura un plus beau lendemain. On est inséparables comme les cinq doigts de la main, même si aujourd'hui tu me mets plus de doigts que demain. Tu m'as trahi, je t'ai haï. Tu m'as blâmé, je t'ai aimé. Tu t'es moqué, je t'ai bloqué. Mais aujourd'hui, c'est ton prénom que je veux faire floquer. Mon cœur est rempli de brume, mais je bois du chef sa grume et notre relation n'est que amertume. Quand on s'est rencontrés, j'étais outré, je t'ai contré et aujourd'hui je vis un conte de fées et voilà, et on joue à la contrée. Rempli de brume, mais je bois du chef sa grume. Tu m'as faut qu'on se tienne la main, car dans le mot demain, il y a le mot main et c'est en se tenant la main qu'on aura un plus beau lendemain. On est inséparables comme les cinq doigts de la main, même si aujourd'hui tu me mets plus de doigts que demain. Tu m'as trahi, je t'ai haï. Tu m'as blâmé, je t'ai aimé. Tu t'es moqué, je t'ai bloqué. Plus de brume, mais je bois du chef sa grume et notre relation n'est que amertume. Quand on s'est rencontrés, j'étais outré, je t'ai contré et aujourd'hui je vis un conte de fées et voilà, et on joue à la contrée. Qu'elles ont les meufs sur Instagram. La meuf, elle met son cul en photo et elle met un roman hors sujet derrière. Voilà, durs sont les souvenirs, mais aujourd'hui il y a beaucoup de sous à venir. Voilà. Tu m'as fait pleurer, tu m'as fait verser des larmes au lieu de verser la pension pour l'enfant. Mais aujourd'hui, je m'en fous de ta pension, t'es une demi-portion et sans toi, je me paye des portions. Je préfère aller de l'avant que tu me mets des vents et je préfère chanter vive le vent d'hiver car l'hiver, tu n'es pas là. Les meufs sur Insta, elles sont incroyables. La meuf sur Instagram, elle a 3 abonnés et elle met en story, trompe jalouse. T'as 3 abonnés, oh là, qui est jalouse? Jalouse de quoi? Ma mère, elle met en story, hein. Les gens sont jaloux de toi car ils voient en toi ce que eux n'ont pas. T'as rien, bordel, menteur. Amis, vous savez c'est quoi la pire des friendzones? Voilà, c'est quand la meuf te dit quoi? Hein? Eh, tu viendras à mon mariage, hein? Ta grand-mère, là, toi tu veux la baiser, te dit ça? Hein? Tu viendras à mon mariage, hein? Non, mais je pense pas que ton mari serait d'accord. Mais il est au courant? Je lui ai dit que t'es juste un pote pour moi. T'étais un grand frère, hein? T'as toujours été là, à part quand il fallait me baiser. T'as toujours été là pour moi. Toi, comparé aux autres, je t'intéresse pas qu'à mon cul. Si, si, pire que les autres même, voilà. Sauf que je peux pas en fait. Toi, t'es différent des autres. Ouais, comment je t'ai pas baisé? Il y a rien de pire quand la meuf t'invite à son mariage. Ça, c'est fini. Il y a plus rien à faire derrière, voilà. Hein? Ou alors, tu dis quoi? Tu m'inviteras à ton mariage, hein? Y a qui va se marier avec moi, sale menteuse, là? C'est très bien que personne voudra se marier avec moi. Tu m'inviteras à ton mariage, quoi mon mariage? Grosse folle, va. La chose la plus hypocrite que j'ai entendue dans ma vie, c'est les couples qui se séparent. Voilà, ils se séparent et ils s'envoient des messages gentils. Bonne continuation. Ouais. J'espère que tu rencontreras le bon. Inch'Allah, ton futur mec, il te quitte pour un mec. Voilà, c'est ce que je te souhaite. Ou encore mieux, il te trompe avec un mec. C'est ce que je te souhaite et ça c'est la vérité, il n'y a pas d'hypocrisie. J'espère que tu vas réussir tous les projets que tu entreprends. Inch'Allah tu redoubles. Inch'Allah tu redoubles deux fois. Wallah et te rétrograde d'une classe. C'est ce que je te souhaite. Wallah. Ouais, j'espère que tes projets, tu vas y aller jusqu'au bout et ton projet va marcher. Inch'Allah tu fais faillite. La vie de ma mère, Inch'Allah ta société est cool comme le Titanic. C'est tout ce que je te souhaite et c'est la vérité ça. Oh les mecs ils se font quitter comme des merdes. Ils envoient des messages.